Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour Mob Psycho, la saison 3 de Mob Psycho, et comme vous avez pu l'avoir pour ceux qui l'ont vu sur ma chaîne, j'ai réagi aux deux premières saisons, c'était incroyable. Et du coup aujourd'hui je vais faire la même chose pour la saison 3, mais ça sera en stream. Donc pour ceux qui veulent peut-être être au courant de ça, c'est que à chaque journée de Mob Psycho, donc chaque mercredi, vous pouvez me retrouver sur Twitch où je ferai souvent du One Piece. Alors, soit du One Piece combiné à Mob Psycho, soit une autre lecture du genre Kingdom combinée à du Mob Psycho, puisqu'il sortira uniquement, c'est le seul anime de saison qui sort le mercredi et qui m'intéresse et que je vais faire en stream. Donc voilà, bon, pour ceux qui veulent savoir. Aujourd'hui, donc, je suis en live avec certains d'ailleurs d'entre vous. Hein, peut-être que vous allez revoir la rediff qui sera cut de partout, mais c'est normal. Mais vous, au moins, ceux qui sont dans le chat, vous pouvez voir tout l'épisode, quoi. Au moins, vous avez ce petit avantage. Donc voilà, bref, là c'est mieux là. Enfin. Ok, donc là on découvre l'opening. Ah, t'as vu? Regarde ce qu'ils ont dans la tête, regarde le mangaka ce qu'il a dans la tête. Oh, j'aime bien. Oh là là. Ah, oh, j'aime bien. Alors franchement, les openings de Mob Psycho sont tous stylés. Ah, franchement, non, j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé. Ah, c'est vrai que lui il voit qu'elle. Le reste. C'est quoi 4 sur 350? C'est genre le niveau? La position. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce délire. À chaque fois qu'on avance, il va exploser ou pas. Ah non, moi, Mob Psycho, ça me fait beaucoup rire en vrai. Il fait genre, ça me tue ce mec. C'est la plus grande fraude. En fait, c'est vraiment la même chose que la saison 1 et 2. On part sur les mêmes ingrédients. Il me tue alors qu'il sert à rien. Mais putain, mais arrêtez-le, arrêtez-le! Comment ça il va le coller avec du ton maillot? Mais arrêtez-le, arrêtez tout! Ça me tue. J'étais sûr qu'il allait faire une dinguerie comme ça. Ouais, je me souviens tout au fur et à mesure. Hein. J'ai pas regardé de résumé, on va dire. Je me suis dit, ça va. Oh le con. Franchement moi, être dans le club du culturisme, c'était l'objectif de ma vie, hein, franchement. En vrai, il vit juste dans une grosse décharge. Cette tête. Non, me montre pas. Ne montre pas un enfant. En fait, c'est juste l'âge, frérot. Hein. Tu viens vieux, elle s'en bat les couilles et c'est cassé. C'est le même! Le même! T'es un déchet, c'est ça qu'il veut dire. Oh! Il y a un gros truc là! Oh là là! Il y a des grosses lèvres pulpeuses démon. Ok. Ah, en fait, c'est un démon, ouais, on va dire ça, un démon. Un fantôme qui les rend tous flemmards. Hein. Qui les fait dormir, qui les rend comme des déchets, quoi. Allez, super attaque. Allez, un peu de pouvoir. Il crie comme une merde. Allez, ciao, bonne. Voilà. Easy.
C'est ça, c'est vraiment rapide et efficace, effectivement. Hop, hop, ça c'est fait. Après, je me rappelle, dans les premiers épisodes, les premières saisons, à chaque truc comme ça se faisait en rapide. C'est que vers la fin où ça prenait un peu plus de temps. On dit tout ça. T'es trop jeune, t'es trop jeune, t'es trop... Normalement, c'est trop tard. 30 ans après, ça va. Au Japon, ça doit être stressant, au Japon. Au Japon, c'est... Ils doivent se stresser dès le plus jeune âge. Il faut que tu saches quoi faire directement. Nous, ça va, on nous bassine ça un petit peu, mais ça va. C'est pas obligatoire, genre. C'est que Mob aide Reagan, mais en même temps Reagan aide bien aussi Mob hein, à s'ouvrir hein, un petit peu plus parce que. Maître, alors qu'il sait rien faire. En vrai, ce qui est bien, par contre, avec cet anime, c'est que. Surtout dans tout ce qu'il dit là, tu vois, ça peut te rappeler la société d'aujourd'hui un peu. Genre, là, il te rappelle de faire ce qui te passionne, de pas travailler pour travailler. Que la vie est dure, ma foi. Il y a aussi ça, effectivement, l'inverse. Tu peux travailler et pas être passionné. Il s'est cassé, Malik! Du coup, est-ce qu'ils vont continuer de travailler ensemble? Parce que ce que j'ai compris, on dirait que ça veut dire non. Qu'est-ce que c'est que ce brocoli? Slime, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il veut faire? Arrête! Oh! Ah, c'est bon, il continue. Les cataspectres! Ah! Voilà, bon, bref, c'est un épisode très simpliste. Hein, faut dire ce qu'il y a. On va dire un épisode 1 qui pète pas trois pattes à un canard. On a revu les personnages qui sont intéressants. C'est vrai qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnages quand tu regardes du MHA ou dans le futur Bleach là. Forcément, il faut faire un tour sur tout le monde, donc ça prend du temps sur un épisode. Ou même des fois, ils le font sur deux épisodes. Là, en vrai, il n'y a pas tant de personnages différents que ça, donc ça va assez vite. Et à voir comment ça va se développer. Ce qui est intéressant avec Mob Psycho, c'est qu'on ne savait pas vraiment où on allait, on se laissait porter. Et bah je retrouve moi, le Reagan qui est vraiment trop drôle. Et Mob, le naïf. Et Serizawa en plus. Mais du coup, on verra comment ça va se dérouler. Donc, on a l'impression, je sais pas si Mob il va réussir peut-être à serrer dans cette saison 3. Est-ce qu'il va réussir à serrer? Parce que c'est un peu l'objectif. Tu vois, j'ai l'impression que Mob, ok, il est cheaté et tout, il est tout ce que tu veux en tant qu'exorciste. Mais derrière, c'est une brêle dans la vie. Comme il l'a pu le voir lui-même. Il a un petit travail, ok, bon. Parce que c'est dans son domaine. Au niveau des cours, bon, il n'est pas incroyable. Et il sait pas quoi faire. Ses objectifs de vie, tu vois, ses moyens. Et maintenant, à voir. À voir, à voir. Bref, très sympa en tout cas. Donc pour la partie vidéo, on va dire, ce qu'il y aura sur YouTube, je vais vous laisser là-dessus. Donc, moi, je vous dis à la prochaine et on se donne rendez-vous du coup. Donc, vous aurez normalement la vidéo YouTube. Théoriquement le jour d'après, donc le jeudi, si je fais pas de bêtises. J'ai complètement zappé en plus de le programmer à la base, le Mob Psycho, mais du coup ça va être fait comme ça. Je fais le stream le mercredi et je le poste le jeudi. Et donc voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous laisse. Et à la prochaine, laisse un petit like quand même, parce que mine de rien, je suis sûr que Mob Psycho, ça va monter en puissance là, dans les épisodes à venir. Donc j'ai hâte de voir ça. Bref, allez, à la prochaine. Ciao, ciao.